quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait tant de suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on les posait dans les fougères, nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisons naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait pourvu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas seul un instant.
Thank you.
mes parents m'ont toujours dit, les îles de la Madeleine, c'est le paradis. Le soleil le jour, la pluie la nuit, là-bas mes parents ont beaucoup d'amis. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser à le bateau, je suis malade quand il fait pas beau. Ils ont dû quitter ce beau coin de terre, pas de bon gré, mais à cause de la guerre. Quand ils nous en parlent, ça les fait pleurer. Pour les consoler, je me dois de chanter. Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser, il y a le bateau, je suis malade quand il ne fait pas beau. Je rêve un jour d'aller visiter ce beau coin de terre que mon père m'a laissé. Je ne pourrai pas y aller par le bateau, comme vous savez, je suis malade. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bar, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'amenais ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en bourgeois le vert, ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'est noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal sa rue principale depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Voici Patrick Esposito du Napoli. Petite ville, ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il tombe une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais nez au vent, cœur joyeux, en rêvant. Bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Les fumées du matin sont fantômes de satin dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec.